Bienvenue à toutes et tous pour la Game 60 sur League of Legends pour un petit climbing. Il se passe mal en ce moment. On reste sur 5 défaites pour 2 victoires récemment. Cela dit, la dernière game, ça a été une game de Shen qui s'est très bien passée. Ici, on est contre un Horn, un Maître Yi. Une Syndra, un Ezreal et un Brand. J'ai décidé de pick Rumble parce que j'ai envie de m'entraîner sur le champion. J'aime bien le champion de base. Lui, c'est déjà pas mal. Je vérifiais bien que je parlais en équipe parce que ça m'est déjà arrivé de parler en hall. Ok, ok, très bien. Donc elle va pouvoir faire son camp en solo. La Xayah veut trap en early, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Je sais pas ce que Wei peut faire en termes de trap. Au niveau 1, je sais juste que c'est un très bon champion malgré tout. On a un Xeras, donc en termes de portée on est bien. Je pense pas que le Xeras va avoir un problème en lane contre Syndra. Eh bien dit, je ne pense pas. Moi, je ne connais pas le match-up contre Horn, mais je pense que ça devrait aller aussi. En tout cas, j'espère. On va essayer de pas lui laisser proc sa poigne sur moi. Oh, il l'a proqué une fois, malheureusement. Il a beaucoup de régène, donc ça va être chiant. Il joue bien, il joue. Je pense que c'est pas la première fois qu'il joue le champion. Je vais clairement reculer ici, j'ai pas envie de risquer ma vie. Et... ça a été... merde. Bon, par contre, en termes de farm, je suis bien derrière, je pense. Ouh, il va falloir que je fasse très gaffe. Et... je n'attendais que ça. Il peut me pop quand même assez aisément. J'aurais peut-être dû commencer avec... comment ça s'appelle ce item là? Avec le bouclier de Doran. Décidément, je n'ai pas beaucoup de chance. Vraiment pas beaucoup de chance du tout même. En termes de farm, mais ça va. On a que 3 creeps derrière. Je pense que je vais prendre des bots. Et bah je peux même pas prendre ça. Si je peux prendre les bots avec, j'attends juste 35, voilà. Ok, magnifique. Bon, c'est pas fou. Comeback. Mais c'est toujours ça de prix, donc ma foi, on va pas râler non plus. On va clairement pas râler. On va essayer un tout petit peu de l'emmerder. J'ai maxé, enfin j'ai maxé, j'ai mis un deuxième point dans le bouclier parce que c'était très tendu et je suis désolé si j'ai pas vraiment beaucoup parlé, mais je serrais mon slip globalement parce que c'était très serré, c'était très tendu. On va prendre la deuxième pote. Ok. Bon, ma foi, en termes de farm, on se débrouille, j'ai un kill, il a plus de flash par contre. On va prendre ça.
parti, hein. C'est peu, mais c'est toujours ça tri. Il aura plus de potions. Moi, je viens de récupérer les deux miennes. Ouais, par contre, il tient la lane là où elle est, donc c'est normal. Notre Briar a un kill, notre Xayah a un kill. C'est une bonne chose. Oui, Nogdera a un kill aussi. Non, très très bien. Ça joue dans ma team, ça fait plaisir. Je vais aller poser une petite Ward, voilà. Oh. Mais non! Non, les non-dégâts que je mets. Pas du coup. Ok, donc du niveau 6, lui aussi. Il va falloir quand même qu'on fasse gaffe. C'est vraiment pas terrible. Ah, mais il a déjà cet item là, ok. Je comprends mieux. Bon, là, ça va être très dur pour moi de gagner la lane tant qu'il y aura cet item là que je n'aurai rien d'autre. C'est un peu le problème de Horn, c'est qu'il peut, il peut construire des choses sur sa lane. Très grave, je pense pas que j'aurais pu survivre de toute façon. Par contre, je pensais qu'elle aurait plus de dégâts que ça. Ah, mais il y a le maîtrise. Oh, 2 points de vie. C'est malheureux. C'est malheureux. Par contre, Briar n'a quasiment pas de farm. Maîtrise, oui. Mais elle a plus d'impact. Par contre, je suis étonné qu'elle ait si peu de farm en vrai. Bon bah c'est très mauvaise action et j'en suis en partie responsable. Va falloir que je me ressaisisse. Bon. Ils ont deux crevettes de l'espace. Dont j'ai oublié le nom. En termes de farm, ça va encore. Pas trop derrière. Par contre, maintenant il a une assist. Ça, c'est un peu chiant. Mais une assist d'avant, je veux dire. Ah, très bien. Bon, très bien, on a fait quelques dégâts, c'est pas foufou. Encore plus de résistance magique. Oh merde, ça j'ai mal calculé ma vapeur malheureusement. Qui se file, ça c'est pas une bonne chose pour nous malheureusement. Par contre il push plus vite que moi, c'est quand même cool cette histoire. Bon, il me met tout ça pour un coup de poigne. Je peux comprendre qu'il ait envie de saquer sa poigne, mais bon, prendre un coup de tour pour ça. Après il est très tanky, donc oui, si, je peux comprendre. Ben, le maîtrise va être un problème. Le maîtrise va clairement être un problème et je n'ai pas un champion qui permet de le stopper. Donc ça va être assez compliqué. Waouh, waouh.
ouais, quand même. Je dis que j'ai ça. Prendre ça. On va attendre un petit peu. C'est vrai que ça le rend insensible, cette saloperie. Nice, j'ai eu l'assist. Et il a plus de flash du coup. Donc ça c'est cool. Alors maîtrise, c'est vrai qu'il va être un problème par contre. Donc notre brillard a quelques kills aussi. Notre Xerath a l'air d'aller bien. Contre Syndra. Ok, maintenant il a cet item là, je peux plus rien faire contre lui globalement. Pas grave, j'ai juste m'occuper à farmer hein, globalement. 1700 gold, donc il en manque 1300. J'ai indiqué ça quand même ici, c'est 5 gold de prime. Alors il farme encore un truc, il va avoir ses bots. Ok, bah décidément. Il part vraiment full résistance magique. Après je peux comprendre, il y a Xerath, il y a moi et il y a Wei. Ça veut dire que Xayah actuellement peut lui faire des dégâts et Briar aussi. Ah vraiment, je t'aime bien. Ah, par contre, la hitbox de ce machin est un petit peu... un petit peu insane. Hein. Ok, bon. Ouais, je pensais que ça disparaîtrait, mais pas du tout. Et ben, moi qui pensais que ce serait une lane relativement ok, ben j'ai pas cette impression là du tout en réalité. Ça roule. Le truc c'est que je peux absolument pas aller le contester. J'ai pas les points de vie pour. Ça va chauffer. Juste essayer de mettre mon R à la limite. Oui, il y a un flash ici. Il y a clairement eu un flash. J'ai plus de R, mais c'est pas encore trop grave. Ça change de voir un Yordle vous regarder de haut. Ouais, ils en ont 5. Et ils ont le dragon aussi, ça c'est chiant. Est-ce qu'on n'aurait pas... Ah purée, en plus ils ont le dragon des océans avec... avec lui là. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Par contre, lui, il n'a plus de flash, hein, je précise. Démarrage en douceur. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympathique pour une fois. Eh, je comprends, par contre... Oh, les non-dégâts qu'il prend. Ça me fait extrêmement plaisir. Ah. Ok, j'y vais. Ah, le dégât qu'il prend. Il ne prend pas plutôt. Je n'attendais que ça. Les dégâts qu'il ne prend pas, c'est plutôt ça le problème. Ouais, les dégâts que je prends par contre... Bon, j'ai 13 secondes avant ma TP. Moi, j'arriverai jamais à temps. Hein. Oh, le maître Yi, en plus, il va être bien boosté par le Horn et bien protégé par ce dernier d'ailleurs. Pas juste boosté, il va être extrêmement protégé. Ah.
truc, c'est qu'il peut juste s'avancer sur la tour, il n'y a aucun problème pour lui. Quoi. Oh, elle est dégueu, je pense. Bon, bah, j'ai pas le choix. Hein. Il va sûrement ulti, non? 850. J'ai déjà gridouillé un tout petit peu. Ah, bah, je peux pas. Je peux pas gridouiller en réalité. Ah ouais mais non mais... Ouais, pas possible donc. Pour même full life ici, j'y réchappais pas je pense. Au dive je veux dire. Qu'est-ce qu'il veut ? On voit plus qui c'est qui met les votes de reddition, ça c'est... Quand même quelque chose, on a un Wake qui est quand même en 3-0, on a une... Comment ça s'appelle ce champion encore? Une Xayah, Xayah c'est quand même bon pour stacker les dégâts et pour stun en fight. On a une Briard, bon elle a deux niveaux de retard sur le Maitri. Moi j'ai un niveau de retard sur mon opposant. Qui est tanky as fuck, mais qui n'a pas de résistance d'armure, enfin qui n'a pas d'armure en tout cas. Bon, il y a peut-être moyen, mais... À part le faire en teamfight, par contre, on n'a aucun objectif. C'est... Alors, je comprends clairement que c'était pas faisable de prendre les saloperies là de l'espace, les larves, mais... je reste persuadé que... Ah, merde, ma botte est morte. Et c'est encore Maitri qui a pris les deux kills. Ça change de voir au moins un en tout cas. Je reste persuadé qu'avoir le Drake Océan, c'est quand même méchamment à leur avantage. Le fait de pouvoir régénérer de la vie comme ils veulent là. Ok. J'ai eu un peu peur, j'ai cru que j'allais me faire one shot. Je veux dire, c'est un petit peu ce que fait normalement une Syndra, à partir du moment où elle connaît son stun. Bon, il commence à avoir un peu d'armure, ça c'est chiant. Ah, c'est quand même fort, hein, Horn. Et je crois que j'ai le champion en plus, donc je pourrais potentiellement... On le jouait vite fait. Le problème c'est Maitri, hein, vraiment. Ok, j'y vais. Ok. Donc il a flash. Non, c'est plutôt ça que je voulais dire. Wouah, les dégâts qu'il met sur nos doigts d'axe, infâme. Ouais, il est trop fide. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il est beaucoup trop fide. Et bien moi qui espérais au moins avoir une win. Bon après la journée n'est pas finie mais... Mais tout de même. La pénétration magique je pense que j'en aurai besoin de toute façon dans les médias. J'ai un ulti en 30 secondes. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû choisir champion là, mais je sais pas qui j'aurais pu jouer contre Horn. Enfin, je veux dire, pour gagner la lane, je pense pas que j'ai le pool de champion pour.
À part peut-être Rumble, parce que Rumble est peut-être supposé gagner contre lui, mais je connais pas le match-up, donc je vais sûrement dire que c'est le cas. Et que je l'ai mal joué, je suppose. Toujours est-il... On va essayer quand même de la gagner, mais ça va être compliqué. Ça va même être très compliqué. Bon, j'ai quand même essayé de pusher ça un petit peu du coup. Oh, qu'est-ce qu'il m'a eu là? C'est son item? C'est l'item hein, qui m'a eu, non? Ouais, c'est son orageuse qui m'a eu. Oh, bah là, plus de ça. N'empêche, 2066 dégâts en. Combien de temps? En 4 secondes, et encore, ça compte pas vraiment. Comment ça se fait que j'ai. Mais il a pas eu l'assist, maîtrise sur moi? C'est peut-être à cause du red buff du coup. Ouais. Ouais, vraiment, on va rien pouvoir faire. Ça va chauffer. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué même. En plus, on a Shore. Je pense limite que. Le maître il a soloté. Peut-être qu'ils l'ont duoté, j'en sais trop rien. On va essayer d'y aller, mais. Ok. Si j'ai pas le choix, il fallait que je flash. Bah, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Je vais accepter le surrender de mon côté parce que bon, on peut rien faire en fait. Ils sont trop d'avance. Une défaite malheureusement. Donc 8ème défaite pour 2 victoires dernièrement. Il va falloir que je up mon jeu. Aïe aïe aïe. Alors, est-ce que j'aurais pu solo win la game avec un maître aussi fade, même un Malphite aurait pas servi à grand chose. Shen aurait pu tenir un petit peu. GG away en vrai. Pourquoi pas. Niveau supérieur, on s'en fout. Coffre d'apparat, ma foi. Et nous revoilà à 0 LP. En plus de ça, je crois que je. Bah, si je la perds, je pense clairement que je finis en silver. Hein. Après, bon, reculer pour mieux réavancer, pourquoi pas, mais. Là, j'ai surtout besoin de reprendre la confiance. Et là, la confiance actuellement, elle n'y est pas. Donc, on va partir sur une autre game. Bon, j'espère qu'elle vous a plu pour la 60e, même si c'est encore une défaite. Mais bon. Waouh, Briard 5. 5 niveaux de retard. Ouf. Ok. Bon ben, j'espère quand même qu'on va gagner la prochaine parce qu'il va falloir regagner quelques LP. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien.